Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20 pour la suite de cette carrière manager avec Lille. Donc tout simplement dans cet épisode, on a le match de Coupe de la Ligue contre Amiens à domicile. On a le match contre Marseille et on a le match contre Valence en Ligue des Champions. Ouais, c'est premier des trois matchs entre guillemets retour. On a un épisode assez compliqué parce qu'on va enchaîner Valence après Marseille, donc ça va être assez compliqué. Du coup, on met l'équipe B pour ce match de Coupe de la Ligue. Ouais, c'est Coupe de la Ligue. On va vite fait voir qui affronte qui. Ok, Bordeaux, PSG, ça c'est intéressant. Après, on a Marseille, Clermont, bon, ça, voilà. On a Guingamp contre Angers, ça c'est bien. On a Stade de Reims contre Metz, ok. Strasbourg-Lens, ok. Lorient, Stade Rennais, ok. Et le reste, c'est pas des gros matchs. Et du coup, let's go les gars pour ce premier match contre Amiens avec l'équipe B. Allez, c'est parti pour ce match contre Amiens. L'objectif, bah, passer au tour suivant en fait. Parce qu'il faut passer le tour suivant le plus vite possible. Donc je voudrais un petit 2-0 avant la mi-temps. Ça va peut-être être compliqué parce que c'est quand même l'équipe B. Bon, après Amiens, c'est pas une équipe qui est censée nous faire peur sur le papier. Mais on va faire attention. Et peut-être ici avec une action, ça va frapper la grosse frappe du pied droit. Le 1-0. Ok, gros choumette, 5ème minute. Le 1-0. Le numéro 7, Asimhen qui vient marquer tout simplement. Le premier but de ce match. Ça fait plaisir. On a ouvert le score assez rapidement. Là, la petite passe qui est passée, mais... je sais pas comment je peux dire comment elle est passée, mais elle est passée à une vitesse. Et puis, grosse frappe pied droit ici, qui part droit en lucarne. Le gardien qui est tout simplement battu pour le 1-0 contre Amiens. Voilà, attention. Attention, la grosse action ici pour Amiens. Ça a frappé, égalisation. Égalisation, les gars. 1-1 au bout de 10 minutes de jeu. Amiens qu'ils ont égalisé. Et là, il nous a eu la petite passe. Et là on s'est jeté et du coup la petite passe il s'est retrouvé en 1 contre 1 contre le gardien. Et voilà l'égalisation d'Amiens. Action de but là avec Yazici sur l'aile. Est-ce qu'il va passer? Ouais, difficilement, mais la passe va passer. La frappe, le... oh, j'ai cru au doublé. Il a raté la frappe, incroyable. La frappe qui vient de rater là du pied gauche, voir le ralenti, la balle. Qu'est-ce qui se passait à côté? Ouais, déjà, oh, ouais, juste à côté. Repiqué au centre à chaque fois du terrain. Là c'est bien joué. Le petit appel de balle, on l'a vu en haut. Hop là, c'est bien. La frappe. Oh, le 2-1. Le 2-1, je pensais pas qu'il allait réussir à frapper, mais il a fait. 30ème minute, les gars. Le 2-1 contre Amiens. Arojo qui a fait le taf sur l'aile et qui vient boxer la caméra. Hop là, la petite passe ici. La deuxième passe. Et je pensais pas qu'il allait réussir à frapper. Le défenseur qui a pas mis le pied, le petit blond, je sais pas comment il s'appelle. Ah non, il est chauve. Le petit chauve, il a pas mis le pied. Et du coup, grosse frappe pied gauche, le gardien qui est battu pour le 2-1 contre Amiens. Et Ouattara pour Yazici, Yazici à l'accélération. Est-ce que ça va passer pour Yazici qui va temporiser, qui va la mettre pour Maya? La grosse frappe de Maya, le 3-1. Grosse frappe, 38ème minute, Maya qui vient mettre le 3-1, qui vient nous mettre justement à l'abri de l'égalisation. On a deux buts d'avance, grosse frappe pied droit. Ça fait plaisir, les grosses frappes bien puissantes. Elle est partie droit dans la lucarne, le défenseur qui a taclé. Mais c'était trop tard et le gardien qui est encore une fois battu pour le 3-1. Ouattara sur l'aile. Ouattara qui fait le taf pour Maya en arrière pour Yazici qui va la jouer pour Soumaré. Oh là là, le 4-1. Mi-temps les mecs, on mène 4-1 contre Amiens. Ça fait plaisir, on va faire des changements. Déjà, pourquoi j'ai que ça sur le banc? Ils n'ont pas des joueurs sur le banc. 5 changements, ça me paraît bizarre. Mais on va faire entrer Sanchez à la place de Maya, histoire de le mettre un petit peu en jambes. Et pareil pour lui, ici on va le mettre à la place de Soumaré, comme ça le milieu sera un petit peu rafraîchi. On va voir vite fait les détails du match, on doit avoir la possession mais de folie je pense, ouais. Ah, c'est normal qu'on mette 4 tirs cadrés, 4 buts hein, quand même. Donc la finition elle est présente, c'est juste la précision qui est pas top pour cadrer, c'est tout. On a clairement la possession et du coup let's go les gars pour la seconde période contre une équipe d'Amiens qui est juste en train de couler. On n'est pas passé loin du 5-1. J'espère qu'on va faire pareil contre l'Olympique de Marseille. Oh, oh, le but. Fin du match. Et victoire 5-0 contre Amiens. Le seul problème, c'est qu'on a pris un but. Mais sinon, on a géré au niveau de l'attaque. On a été très, très, très performants, les gars. Donc ça fait plaisir. Alors qu'on a le
Paris FC qui va jouer contre Monaco. Je suis sûr Monaco ils vont se faire éliminer. Du coup on va partir en quart si je dis pas de conneries directement. Ok, on a gagné presque 400 000. C'est clairement rien quand on voit nos nos finances. Il y a un petit problème. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on recrute avec ça? On n'a même pas assez pour un CDF. La vérité, on n'a pas assez pour un centre de formation. C'est un truc de fou. Attends, ok, regardez. Mais en plus, ah, on en a peur en plus. Regardez, lui, je le veux. 4 millions. Y a pas moyen, ils nous font des dons là, les dirigeants, parce qu'on fait une bonne saison là. Enfin, notre début de saison quand même plutôt pas mal. On est troisième, on est devant Marseille. On a un point de retard sur Monaco. Bon, le PSG, ils sont tout seuls sur leur planète, blessés à l'entraînement, c'est qui? Malheureusement, c'est Soumaré. 8 semaines pour Soumaré. Ah, ça, par contre, ça pique. Du coup, on va faire la conférence de presse, les gars. Avant le match contre Marseille, qui est un match très très important pour notre Merci saison. et bienvenue à cette conférence de presse. Je crois qu'on peut commencer. Alors, il est en forme. Est-ce qu'on va l'aligner? Il faut faire tourner. Il va être sur le banc. Alors, dites-nous, Paya, à votre avis, votre prochain adversaire, donc il parle de Marseille, peut-il s'imposer contre vous? Nous avons de fortes chances de gagner contre Marseille, même si, à mon avis, c'est 50-50. C'est un vrai choc des titans qui vous attend face à votre adversaire. Qui prendra la première place? Ben, c'est le PSG. C'est pas Marseille, c'est pas nous, c'est le PSG. Mais les gars se sont bien entraînés et let's go pour ces matchs. C'est parti les gars pour le match contre l'Olympique de Marseille. J'ai essayé de prendre l'accent marseillais sur le Marseille. Mais ça passe pas du tout les gars. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais. Gros match qui nous attend. On est à l'extérieur, du coup on est au Vélodrome. Du coup on va essayer de refroidir les supporters dès que possible. Mais ça va être compliqué parce que c'est quand même Marseille. Bon, je dis pas que c'est à ça le niveau du PSG, mais voilà, Marseille c'est quand même Marseille. Vous voyez, ça joue quand même le top 5 et là le top 3 en évidence dans cette saison actuellement. Du coup on va essayer de d'au moins faire match nul. Voilà, au moins faire match nul. Bon, j'essaie un petit peu de me concentrer en même temps que je parle parce que c'est un petit peu compliqué quand t'as un Thauvin qui fait tout le taf sur l'aile et que personne n'arrive à prendre le ballon. Mais du coup, let's go les gars pour ce match. André qui la met pour Almada. Almada qui passe, la frappe d'Almada, puis gauche. Non, 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 non. L'arrêt de Mandanda sans problème. Bamba. Bamba sur l'aile. Y'a faute, gros, y'a faute. Ah, c'est quoi cet arbitre? Contre Sarr, oui, ça. Passe pour Bamba sans problème. La passe dans l'axe. Oh non, il connaît. La frappe, il connaît. Le 1-0, peut-être non. C'est tiré à côté. Mi-temps, c'est match nul contre l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, ils ont la possession. On a eu deux occasions qui ne se sont pas concrétisées. Ils ont une défense. Étonnamment, Marseille a une défense assez solide dans ce match. Même un peu trop solide à mon goût. Mais on peut vraiment rien faire pour l'instant. Et du coup, let's go pour la seconde période face à l'Olympique de Marseille. Justement ici avec Ikoné, car ici à faire l'écart sur Sanson, à faire attention au retour défensif. La petite passe, la frappe, 1-0. Non, l'arrêt, le but. 1-0, but de Wea, les gars. Wea qui vient marquer un septième but en Ligue 1. J'ai regardé vite fait avant de lancer le match de mon côté un petit peu pour voir les stats des joueurs. Vite fait pour voir notre début de saison. Septième match pour Wea. Et il vient marquer le septième but cette saison pour lui. Première frappe, l'arrêt du défenseur. Alors, le défenseur qui a arrêté ça, franchement, il mérite d'être promu. En tant que titulaire indiscutable, il t'a fait un arrêt meilleur que le gardien. Mais Wea qui a bien suivi l'action et qui vient la planter avec la tête pour le 1-0 contre Marseille. Fin du match, on l'a fait, les gars. On a battu Marseille 1-0 grâce à un but de Wea. Wea, il est vraiment, mais vraiment très. Très bon, c'est un pur buteur. La vérité, c'est qu'il doit pas jouer sur les ailes. Il faut qu'il reste dans l'axe, dos au défenseur. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. Parce qu'il est énorme, ouais. Il est vraiment énorme. Il y a qu'à jouer. Que signifie la performance? Il peut rebondir. Rien n'est acquis. Des hauts et des bas. Même s'il a pas touché beaucoup de ballons, c'est pas grave. L'équipe a été assez bien, assez bon. Dans les passes, dans l'entrejeu, etc. Alors, un but en seconde période. Et bah ouais, nous étions tout simplement meilleurs que Marseille. On peut se vanter un petit peu, on a quand même gagné. Bravo pour votre victoire. Comment est-ce qu'on peut évaluer la performance de l'équipe? Alors,
Non, pas du tout. On a calmé l'adversaire. Non, parce qu'on aurait dû marquer dans la première période pour pouvoir dire ça. On a gagné grâce au travail et à la détermination. C'est vrai qu'on est arrivé comme assez déter au Vélodrome. Et le résultat qui est tout simplement là. Et du coup, let's go les gars pour le match contre Valence. Merci, ça a été un plaisir. Allez, c'est parti pour ce match contre Valence. On est à domicile, l'objectif, bah le match nul, parce que si on gagne, en plus on est qualifié. Donc ouais, non, l'objectif est la victoire, parce que si on gagne, on est qualifié pour les 8e, alors qu'il resterait encore 2 matchs à jouer. Du coup, on va aller chercher cette qualification aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis les gars. Et au moment que je dis ça, ça crée une action en plus, le ballon pour Almada. Almada qui va la jouer pour Ikoné, Ikoné pour Almada, Almada pour... lui je vais éviter de dire son parce que j'arrive jamais à le dire. Comme ça, ça la redonne à Almada. Almada en arrière pour André. La frappe, l'arrêt du gardien. Le pressing, Renato qui la remet du coup pour Almada, qui la remet sur Renato. La frappe de Renato, oh, l'arrêt du gardien. La frappe d'Almada. Oh non, le gardien il aurait même pas eu le temps de plonger. On la tire à côté. Bon, Guedes qui passe dans la surface. Il est déjà dans la surface à la vitesse. Peut-être une passe en retrait pour Dzeko. Il tire à côté. Dzeko qui tire à côté. André à la vitesse, ça passe plus ou moins. On la joue en retrait pour Bambalé à 0 peut-être. Non, Boateng qui décale ça encore une fois en corner. La petite passe en retrait pour Renato. L'arrêt du gardien juste avant la mi-temps. Fin de la première période et très clairement on mérite, mais on mérite de marquer. Mais il y a leur défense qui est très très bon. Le gardien en face est très très bon aussi. Et du coup bah let's go les gars, let's go pour essayer de gagner ce match contre Valence. Eh Bamba pour Wea, Wea qui la joue pour Yazici. Allez à la vitesse mon poteau, à la vitesse tu passes. La petite passe en retrait pour Wea, la frappe de Wea, 1-0. À 6 minutes de la fin du match, on ouvre le score. Le but de Wea qui vient encore une fois nous donner une victoire importante dans la saison. La victoire contre Marseille, c'est grâce à Wea, enfin du moins grâce à la finition de Wea. Là c'est pareil, la qualification en Ligue des Champions, enfin du moins en 8ème de Ligue des Champions, c'est grâce à Wea. 6 minutes de la fin du match, Wea qui vient planter du pied droit encore une fois. Ça fait plaisir. Fin du match, on l'a fait, mais on a 11 tirs, on n'a que 1 qui est rentré. On a dominé de fou contre Valence. On a vraiment, mais vraiment géré. Il y a Naples qui a gagné 4-0. Lyon qui gagne 3-0. Ok, ok. Le Benfica qui a battu le Leipzig. Ok, pourquoi pas. Des résultats assez, assez surprenants. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Merci de m'avoir réintégré. De toute façon, toi, tu joues très bien. Et Bamba, toi aussi, t'es vraiment, mais vraiment au top actuellement. On est toujours 3ème avec 1 point de retard sur Monaco et 6. Sur le PSG, donc je pense le titre, on peut déjà l'oublier, mais la deuxième place, on peut aller la chercher encore. Du coup, les gars, c'est la fin de l'épisode. Donc, si l'épisode vous a plu, tout simplement, ben, vous connaissez les bails. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et sur ce, peace!